Le réseau de grottes se compose de larges tunnels reliés entre eux par d'étroits passages dans lesquels les crocodiles peuvent circuler. Leur seule chance est d'essayer de l'atteindre depuis l'autre côté. Matt s'avance pour tenter d'intercepter le crocodile. C'est un gros. Il fait près d'un mètre cinquante de long. Pour l'étudier, il a besoin de le capturer. Il tente de l'attraper au collet. Il doit attendre que le crocodile se rapproche. Les crocodiles sont dotés d'une queue incroyablement puissante. Celui-ci a coincé la sienne à la manière d'une ancre. Carl tente de dégager la queue, mais elle est fermement accrochée. Il réessaye depuis un angle différent. Ça y est. Ok. Ils doivent être extrêmement prudents. Il est énorme. C'est l'un des plus gros crocodiles nains que j'ai jamais vu. Matt se dépêche de bloquer ses mâchoires. Le crocodile est capable de se jeter sur sa proie et de s'agripper à elle avec une puissance phénoménale en seulement quelques microsecondes.